comment est-ce que je fais pour... Non, moi je t'explique comment, voilà, comment moi je fais pour gérer moi mon gourmand. Mm-hmm. Voilà. Donc moi j'estime que toute personne qui a un gourmand, qui a une maladie d'amour, pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le gourmand, quand tu es en mode gourmet là, c'est que tu es humain. Ouais. On a qu'à se dire la vérité, Joe. Tu peux avoir mal. Tu peux avoir aimé quelqu'un. Ouais. La personne peut s'être foutue de toi. C'est ça. La personne peut... Comme ce que tu m'as fait. Ça, c'est à ton niveau. Vesca, tu vas me fatiguer. Oui, tu peux. Ouais. Moi, je suis désolée, on n'est pas en caoutchouc, on n'est pas en bois, on n'est pas en fer. On a la tête. Voilà, donc voilà, la tête, on est flexible. Donc, arrivé à un moment, tu peux avoir mal. Ouais. Tu peux déprimer parce que tu as aimé un gars. Ou parce que tu as aimé une go, que ce, voilà, et que ça s'est pas passé comme tu voulais, comme il le fallait. Donc tu as mal. Quand tu acceptes, en tout cas moi c'est ma thérapie. Quand je suis en mode gourmet là, j'accepte. Oui. Que c'est fini. Ouais. J'accepte que non, faut pas accepter d'abord que c'est fini parce que tu sais quoi, il y a des étapes. D'accord. Il y a l'histoire, il y a le déni. Ouais. Il y a la colère. Mmh. Et ensuite, il y a l'acceptation. D'accord. Mais c'est ça, parce que tu es en mode déni. Tu veux même pas que ça se finisse. Tu es en mode de quoi il s'agit. Ouais. Tu es en colère, après, tu commences à insulter le gars. Ou en train d'insulter la go. Ah, voilà, mais c'est vrai, tu es en mode gourmet. Donc, tu passes par plusieurs étapes, en fait. Tu es en mode, déjà, tu as mal, tu ne comprends pas la chose. Ensuite, tu dénies, tu es en mode non. C'est pas possible que ce soit fini. Donc, tu es dans ton film. Après, il y a la colère. Donc, tu es en colère contre la personne. Ouais. Ce qui t'emmène à raconter des conneries sur la personne à tes amis, à ta famille, à tout ton entourage. Parce que tu veux faire croire aux gens en face que, non, pas que tout va bien, que c'est la personne qui n'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pourtant, dans Goumé, là, tu as ta part de responsabilité. Ouais. On a qu'à se dire la vérité. Bah, oui. Si, oui. Dans Goumé, là, tu n'as pas de responsabilité. S'il y a eu Goumé qui est arrivé, c'est parce que tu as fait quelque chose et puis le gars. Le sujet de Goumé, là, ce qui passe trop de ça, c'est les lions blessés. Non, c'est pas des lions blessés. C'est une histoire d'expérience. Non. Non, mais le truc, c'est que il faudrait juste que dans la tête de tout un chacun, on accepte que oui, on est fait de chair, de sang et qu'on peut avoir mal. Mais il y en a qui sont en mode, non, j'ai pas mal. Qui? Est-ce que celle-là peut me donner gourmet? Est-ce que l'huile peut me donner gourmet? Quand tu es en mode ça, là, ton gourmet va perdurer. Ton gourmet va pas partir quelque part. Parce c'est que quoi, tu faut accepter. Moi, selon moi, c'est le meilleur remède. Non, je pense que t'as totalement... Faut accepter que tu as mal. Il faut accepter que... Oui. Pour faire passer un gourmet. Donc, vous avez ça, c'est mon remède. Chacun a pour lui. Moi, quand j'ai goumé là, vous ne connaissez pas mon remède. Moi, quand j'ai goumé là. Toi, c'est quoi ton remède? Moi, quand j'ai goumé là. Oui. Je m'enferme. C'est que j'ai fait en prison, je m'enferme là. Mais c'est pas la solution, chouchou. Je ne veux pas voir quelqu'un, je suis seul. Non, mais c'est pas la solution. Non, ça, moi, j'ai fait ça, ce que tu as fait. Mais c'est le zouk qui tue quand même. Ça tue. Parce que tu repenses à tous vos bons moments. Ouais, oui. C'est pas la meilleure solution. Et le pire, c'est que quand tu n'acceptes pas, tu as tendance à te jeter dans les bras d'un autre gars ou d'une autre go en pensant que le gars ou la go va te faire oublier ton gourmet. Tu es en train de t'enfoncer. Tu t'enfonces de plus belle, en fait. Parce que, à aucun moment, l'amour que tu as porté à cette personne X qui t'a qui a fait que tu es en mode dépression, moi qui t'a goubestiné, la personne Y que tu es en train où tu es en train d'aller vers là, ne peut pas combler ça. D'accord. Il faut être en mode j'accepte, Joe. Non, mais tu sais que j'ai mal. Je pense qu'elle a totalement raison. Mais oui. Pourquoi? Parce que. Ça, mais oui, vas-y, développe. Parce qu'en fait, quand tu vas chez quelqu'un d'autre, par exemple, tu penses que la personne va combler. Elle comble pas parce que quand la personne commence à déconner, tu te dis je tombe sur des mauvais garçons. En tout cas, la personne a son comportement. Moi, je suis pas d'accord avec l'histoire où c'est garçon qui fait oublier garçon. C'est il faut guérir toi-même. C'est vrai. Guéris d'abord avant de tout. De... Dans toi, dans garçon, on ne donne pas gourmet à femme. Faut arrêter. Moi, il y a eu gourmet dans ma vie, loup même, mais j'en suis pas morte parce que je me suis dit, je vais en ressortir plus grande. Oui. Tu acceptes le gourmet. Tu es en mode OK. J'ai mal. Le gars, il a mal géré. Et peut-être que moi-même, j'ai mal géré cette situation. Faut pas tout mettre sur les gars ou sur les go. Parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Dans une relation, c'est deux personnes. Mm. On n'est pas seul dans une relation. Oui. Donc, quand ça dégénère, c'est forcément l'un d'entre vous. C'est quelqu'un qui a... Quand? Non, de 6 ans. 6 ans.
2013. Mon grave goumen dernier goumen. Mon grave goumen, il date de 6 ans. D'accord. Moi, et j'ai appris. Donc, mais en même temps, moi, le conseil que je donne aux gens qui sont goubestinés, parce que je suis sûr qu'à l'heure là où on est en train de parler de goumen, il y en a qui sont goubestinés. Ne vous jetez pas. Appelez-nous. Appelez-nous, hein. Voilà. On va en parler. À tout à l'heure. Loco Contigo, c'est DJ Snake avec Debarvin, qui est en radio, le son de la goumen. Vibe. Elles sont où?